Bonjour à tous et à toutes, bonjour aux amoureux de la cuisine, aux cuisiniers en herbe. Aujourd'hui, nous allons faire une recette, mais que je chéris, mais tendrement. J'ai envie de la prendre dans mes bras, cette recette, et lui dire « Bébé, tu dors, ton moulin va trop vite !» Ce sont les falafels. Alors, les falafels, pour ceux qui connaissent, vous savez comme moi que c'est une dinguerie. Et pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez découvrir une petite boule d'amour, ça va être un bonheur, pour faire des bons falafels. Des bons, hein, parce que si c'est des mauvais, c'est des falafels. Pour faire des bons falafels, il vous faut des oignons nouveaux. Alors, si vous en prenez d'occasion, ça ne marchera pas. De yaourt, parce qu'avec les falafels, on aura une petite sauce. J'aime mieux vous dire qu'elle va nous désinguer les papilles. On ne dit plus désinguer désormais, car on est au 21e siècle. Nous aurons besoin de pas mal d'herbes, car c'est un plat qui regorge d'herbes, qui regorge de goût, de saveur. Nous aurons de la coriandre, nous aurons du persil plat et nous aurons de la ciboulette. Nous aurons besoin de 2 gousses d'ail. En termes d'épices, là, c'est le carnaval. Nous aurons besoin de piment moulu, de cumin moulu, ainsi que de poivre et de sel, les classiques de la restauration. La base ultime des falafels, nous aurons besoin de pois chiches. Nous aurons besoin, et ça, c'est un petit nouveau sur la chaîne, je le présente, il est tout mimi. Nous aurons besoin de bicarbonate alimentaire. Hein. Le nom sonne un peu chimique, mais c'est fait pour. Et puis, de l'huile d'olive, évidemment, on en met partout. Ce sera pour la petite sauce. Est-ce qu'on serait pas prêt pour faire les falafels? Du bonheur. Qui dit de bon falafel dit de bon pois chiche. Donc j'ai pris 250 g de pois chiche. Et je n'ai pas pris n'importe quel pois chiche. Moi, ce que je vous propose, c'est de prendre des pois chiches frais, c'est-à-dire non conditionnés. Regardez comment ça se présente. C'est vraiment des tout petits pois chiches. On n'a pas l'habitude... Oh, papa, petit bonhomme, n'essaie pas de t'échapper, tu es si bien ici. On n'a pas l'habitude de les voir comme ça. Et l'idée, c'est de les laisser reposer 12 heures ou toute la nuit. Et le lendemain matin, vous avez le pois chiche qui a fait sa crise d'ado. Il a un petit peu grandi, il a évolué, c'est le Pokémon du pois chiche. Il sera plus tendre, plus moelleux, il va pouvoir être mixé. Donc on prend les pois chiches, on les égoutte. On va prendre notre passoire, on les égoutte à l'évier. Voilà. On va les faire sécher dans un torchon. On enlève l'excédent d'eau. Ça croque, c'est moelleux, c'est du bon pois chiche. J'ai toujours dit, c'est comme quand on sèche un petit chien qui vient de prendre son bain. On les laisse un petit peu à réserver. Ça sera pour 2 personnes. Hein. C'est toujours aussi nul. Et le temps que mes pois chiches sèchent, je vais m'occuper des herbes. Alors, on prend un coutelas de type arme blanche. Pop ! Ça peut être dans une jugulaire, mais pour l'instant, on va couper des oignons. C'est parti pour l'oignon nouveau. On lui enlève sa coupe de palmier. Et puis, on va couper juste ici. Et puis là, voilà, finement. On va prendre ensuite de la coriandre. J'adore la coriandre. Donc à peu près 50 grammes. Et puis on va couper ça avec un ciseau 3 lames. C'est un petit peu le Gillette Mac 3 des herbes, quoi. On laisse à réserver la coriandre. Toujours le dos du couteau pour pas abîmer la lame. On va prendre un bouquet de persil plat. Je vais enlever la moitié. Je pense que ça ira, ça. Et puis là, pareil. Oh, ça sent bon le persil. Voilà, toujours, on enlève les grosses queues. Ça va. On va passer à l'ail. Alors vous allez prendre 2 gousses. Voilà, une belle gousse ici. On en prend une deuxième. J'adore l'ail aussi, hein, je vous ai jamais dit, mais j'ai créé un fan club de l'ail. Ça s'appelle I Believe I Can Fly. On l'épluche bien. On le coupe en deux. Et ce qui va se passer, c'est qu'on enlève le germe. Ça, c'est pas bon. On enlève ce germe. Bah, l'ail, tout simplement, on va le hacher. Donc on l'écrase un peu. J'ai ramené mon petit mortier. Ce que vous pouvez faire également, c'est d'avoir un presse-ail beaucoup plus stratégique. Je vais écraser mon ail. Fais attention de ne pas avoir de voisins à moins de 10 km. De toute façon, ça sera réécrasé au mixeur. On le laisse ici. Nous allons mixer les pois chiches qui sont désormais secs et qui ont attendu dans le torchon. Allez les amours, c'est un mixeur qui peut tenir pas plus de 250 grammes. Oh là là, on est bon là ? De toute façon, ça ne veut plus trop mixer parce que je pense que ça fait une énorme pâte. Moi, mon mixeur est un petit peu petit, donc je vais d'abord mélanger les herbes et ensuite les remixer. Une fois que vous avez mis vos herbes avec vos pois chiches, vous prenez une demi-cuillère à café de bicarbonate alimentaire. Ça va servir à gonfler un petit peu la préparation et à la rendre plus moelleuse en fait. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on va rajouter nos épices. Ce sera 2 pincées de piment, une petite pincée, 2 petites pincées. Le cumin moulu, on va prendre une cuillère à café. Qu'est-ce que ça sent ? Oh là là, j'avais oublié ! Venez sentir, je vous en supplie. Un bonheur. Et
hop, une belle cuillère à café pour Benjamin. Et puis tout simplement, on va rajouter du poivre. Voilà, bien poivré. Et du sel, c'est quasiment obligatoire. Hop là, un peu de sel. On va mélanger le tout avant de le repasser au mixeur. Et vous allez voir, ça va faire une petite pâte divine. Une petite pâte de l'Olympe. Et voilà, nous avons une très belle pâte. Regardez ce que ça donne. C'est un haché total de plaisir. Et donc avec cette belle pâte de falafel, belle pâte de pois chiche aromatisée, nous allons créer donc des petites boules, tout simplement. Là, on a un petit falafel. On essaye que ça reste bien compact pour pas que dans la poêle, ça se casse en deux ou qu'on ait des miettes de falafel. Donc avec la quantité d'ingrédients que j'ai mis, j'en aurai 15. Voilà, 15 beaux falafels et bien évidemment le petit privilège du cuisinier. Même avant cuisson, c'est divin. En attendant que l'huile chauffe, on va se faire une petite sauce blanche pour tremper les falafels frits dedans. Vous aurez besoin d'un yaourt ou d'un yogourt ou d'un yavour, comme disent certains. Voilà, superbe. On va prendre une gousse d'ail. On va le réécraser dans le mortier puisqu'on va mettre de l'ail haché dans la sauce. L'ail juste ici. Voilà. On remet la pincée de sel. On met de la bonne ciboulette, on reprend notre ciseau et là ça ciboule. La bonne petite sauce ciboulette et vous rajoutez de l'huile d'olive. Allez, l'équivalent de 2 cuillères, hop hop hop, pas plus. Oh là là, regardez-moi ça. Toujours on goûte la sauce. Oh oui, oh oui, oh oui. Et puis nous allons passer à la cuisson des falafels. C'est parti. J'en mets qu'un seul pour vraiment voir la bonne température. Mon huile est parfaite. Et puis là, bah, on enchaîne. Hein. On fait attention à ne pas les casser à l'étape de la cuisson. Donc si vous voulez les déposer avec une petite spatule, c'est encore mieux. Grâce au bicarbonate, ils ont un petit peu gonflé à la cuisson. Voici les falafels 5 étoiles et sa petite sauce blanche. Nous voici enfin à l'étape cruciale de la dégustation, le moment où les papilles sautent de joie. Prends celui-ci, déjà belle tenue. Hein. C'est sur 131, c'est entre la mignardise et le mezzé. Regardez, le tour est croquant, l'intérieur un peu fumant, encore moelleux de pois chiche. Allez, on le goûte sans sauce. On ressent toutes les épices. Oh là là, on va tenter avec la petite sauce blanche. Je pars en méditation de yoga, hein, je suis désolé. J'ai atteint les 7 cieux. Salut Bouddha, la forme. Regardez ce que je vais faire. J'ai été chercher du cumin. J'aime tellement ça que je vais saupoudrer de cumin pour aller ensuite mettre ma bonne sauce sur le dessus. On en fout un peu partout. C'est gourmand, c'est cochon. Emmenez-moi au pays des falafels, c'est délicieux. Merci d'avoir regardé cette recette, je vous en supplie. Refaites-la chez vous. Au cas où vous voulez pas prendre trop de temps et ne pas donc faire tremper vos pois chiches dans l'eau pendant 12 heures, vous avez la boîte de pois chiches cuits. C'est un peu moins artisanal, mais ça rendra, je pense, très très bien. Je vais en reprendre un. Je vous dis à très très vite autour d'une recette du bonheur. Portez-vous bien. Vive la cuisine, vive la vie.